Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et on se retrouve pour un nouvel épisode dédié à NetBSD et Package Source. Salut à toi Fixoulab, j'espère que tu as passé un excellent week-end, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors donc, on va reprendre un peu le sujet NetBSD et Package Source. Salut à toi Xavier. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton week-end se passe bien aussi. Donc, NetBSD, où est-ce qu'on en était? Alors, la dernière fois, il n'y avait pas eu d'épisode. Bon oui, ça va très bien. Donc la dernière fois, il n'y avait pas eu d'épisode, parce que bah, tout simplement, j'étais pas dispo. Et donc on va continuer. Alors... quels sont en fait les objectifs de cette série de streams? C'est tout simplement que j'avais envie de vous partager en fait la manière dont je m'y prenais pour contribuer à NetBSD et Package Source. C'est l'occasion de montrer un peu comment se passent les choses dans l'envers du décor, on va dire, quand on veut contribuer à ce système d'exploitation. Alors on a vu pas mal de choses, hein. on a fait des mises à jour de paquets en fait, principalement. On n'en a pas créé de nouveaux. Après à voir si un de ces quatre j'ai un logiciel que j'ai envie de voir empaqueté pour NetBSD. Dans l'immédiat, je crois pas qu'il y ait grand chose qui me manque. Toujours est-il que voilà, on a fait plutôt des mises à jour. Alors il y a des trucs qui sont entre guillemets en attente. Je pense en particulier à celui qu'on avait vu la dernière fois, qui est Fail to Ban, où en fait un autre développeur m'a proposé des mises à jour. Je lui ai dit globalement que ça allait. Je pense que je vais le relancer pour savoir s'il faut que ce soit lui qui commit ou si c'est moi qui dois committer. Mais comme ce sont des modifs que lui a proposé, je préférerais que ce soit lui qui commit. Ça me semble juste retour des choses. Mais, alors, à part Fail2Ban, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Siege, un testeur de charge HTTP. On a fait LogRotate, l'outil, j'ai envie de dire, indispensable de rotation des logs. On avait vu quoi d'autre? On avait fait Joujou avec, SSLH de mémoire... on n'avait pas eu besoin de le mettre à jour, quelqu'un s'en était chargé à ma place. Et je crois qu'on avait aussi... y avait un client Let's Encrypt qui s'appelle Dehydrated, que j'aime bien, qui est fait en bash. Celui-là, c'est bon, on s'en est chargé. Donc, il y a un autre paquet, et je dirais même un peu plus qu'un autre paquet sur lequel je voudrais me pencher aujourd'hui. Il s'agit d'un logiciel qui s'appelle Pelican. Est-ce que cela vous parle? Je crois que j'ai déjà dû en parler, je pense, dans des épisodes. Hop là. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, hop.
Voilà, il s'agit d'un générateur de sites statiques. Alors, certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être Hugo, connaissent peut-être Jekyll ou Zola. En gros, bah, Hugo est en Go, Jekyll est en Ruby, Zola est en Rust, mais Pélican est en Python. Salut à toi, The. J'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Globalement, quel est le principe? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que ces outils-là sont là pour générer un site statique. Contrairement à d'autres outils de type CMS, je pense à Drupal, je pense à WordPress, je pense à Dotclear, ou à PluxML, ce sont des outils qui sont là pour vous faire une interface, on va dire, web, presque quasiment de type ce qu'on appelle WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get, c'est-à-dire ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes censé obtenir, ou par contre, l'outil étant généralement en langage PHP, vous êtes obligé d'exécuter PHP sur votre serveur, et donc lorsque quelqu'un vient visiter votre site, eh bien, les pages sont générées à la volée. Ici, l'idée, c'est d'avoir en fait votre site ou votre blog qui est en fait en quelque sorte pressé. Il est en fait généré. L'outil, vous écrivez votre texte. Alors généralement, les outils que j'indique, c'est que vous allez écrire vos billets de blog ou vos articles pour votre site sous une forme type Markdown, REST ou un truc similaire. Et puis, vous lancez l'outil, ici dans notre cas de figure Pélican, et il va vous générer en fait toutes les pages HTML pour qu'il y ait juste besoin d'un site purement, purement statique. Alors, effectivement, je pense que c'est une blague qui doit pas mal revenir, mais je ne crois pas avoir vu de générateur de site statique qui s'appellerait Hide. Mais peut-être que ça existe. Je ne sais pas du tout. Le truc que je n'ai pas fait avant de démarrer le stream, c'était d'aller justement, puisque j'ai un exemple de site Pélican, c'est tout simplement mon blog, et je vais aller récupérer, bah, tout simplement le repo. Parce que déjà le repo est à jour. Ah, oula oui, qu'est-ce qui se passe là? Ça sent les, ça sent la blague avec les droits, dis donc. Ouais, ok, c'est les droits. Si je fais un git diff, ouais, c'est les droits. Allez hop. Alors, vous ne voyez rien à l'écran, mais on est sur la machine NBDev. Hop. Donc la machine sur laquelle je fais donc toutes mes, toutes mes manips package source. J'ai pris la peine de faire avant le stream une petite update du repo qui utilise le vénérable CVS. On est là. On va aller dans CVS. PSD. Hop. Et package source. Et là. Un CVS update pour la forme, mais globalement oh tiens bon heureusement ça avait fonctionné, je crois que j'ai, ah oui c'est parce que je me suis déco reco. Hop. De fait l'agent SSH il s'est barré. C'était le ID NetBSD. Voilà. Donc là, normalement. Alors, bien entendu, j'ai des alias CVS. Hein, Hop. Alors. Et pendant que ça tourne, on va aller dans. Project, on est dans Git, tub, hpnils, ok, et
Je vais aller synchroniser parce que c'est un repo privé. Pour l'instant, le repo de mon blog est privé. Idéalement, il faudrait que je fasse un peu de nettoyage avant de le passer public. Alors. Et donc, il faut que j'envoie ça à... Voilà, donc j'ai mon repo qui est là et qui est maintenant disponible. Ça, c'est cool. Alors, maintenant qu'on est là, j'ai un repo avec déjà une, on va dire un projet Pelican existant. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un petit pkgin search Pelican. La bonne nouvelle, tiens, il est même dispo pour Python 3.11. On va faire ça, tiens, on va le récupérer en... En version, hop, ASE, installé. Donc là, je l'installe en binaire. Je l'installe en binaire et on va ensuite voir un peu ce que ça donne. Alors, on a 17 paquets à installer. Et je pense que ça va être un point qui va être intéressant, qu'on va voir. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire sur cet épisode, on verra. Peut-être que je ferai un épisode dimanche prochain de suite de Pelican. En tout cas, de mise à jour de Pelican, parce que j'ai pas l'intention de mettre à jour juste le paquet Pelican, enfin le paquet Python quelque chose Pelican, mais on peut voir qu'il y a un certain nombre de dépendances et j'aimerais jeter un œil en fait à l'intégralité de ces dépendances si possible pour tout simplement les mettre tout à jour. Tant qu'à faire, autant en profiter. Donc on va commencer déjà par installer ça. On va vérifier que Pelican fonctionne. Et ensuite, une fois que on s'assure que Pelican fonctionne, eh bien, on commencera à aller toucher à tout ça. Que ouais, c'est ça. Alors, pourquoi déjà, oui, peut-être petit détail que je n'avais pas forcément mentionné. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs paquets possibles comme ça ici au niveau de Pelican? On peut voir qu'en fait il y en a un par version de Python disponible dans package source. Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer plusieurs versions de Python en parallèle sur un système NetBSD. Et comme vous pouvez le voir, on va de la 3.8 à la 3.11. Python 2.7 est encore disponible. Je ne sais pas pour combien de temps, mais la version 2.7 de Python est encore disponible dans package source. Si jamais je fais un petit pkgin se Python. On va faire un grep. Hop là, grep. Ce qui commence par Python. Voilà. Donc on a encore Python 2.7. 2.7.18 qui doit être, je pense, la dernière release 2.7 faite par, par le projet Python. Hein. Python.org. Je sais même pas d'ailleurs s'il le propose encore en téléchargement. All release. Alors forcément, il ne... Alors, si je regarde, 3.11... Ah non, ils indiquent pas les... Si. Looking for specific release. Donc, en 3.10, c'est la 3.10.11. Bon, 3.10.9, ça va. 3.11.3, 3.11.1, ok. 3.10.10. Ah, 3.10.9, on y est presque. Hein. La 3.11.2, oui, bah, de toute façon... mais est-ce qu'ils ont quelque part des... Ah oui, holder release.
Holder release. Ah, ils ont même des versions 1 de Python qui restent disponibles en téléchargement. C'est fou ça. Mais où sont les versions 2? Je les vois pas. Hop. Ah, peut-être plus en bas. Non. Il va falloir que j'aille chercher sur internet pour voir quelle est la dernière version de Python 2.2. Voilà, 2.7, alors elle est end of life depuis 2019. Et... Ah non, 2020. Depuis le 1er janvier 2020, elle est end of life. Mais je ne sais pas où est la dernière version de Python 2.7, si on voudrait la télécharger à des fins... non production, bien entendu. Hein. On va pas utiliser, encore que. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent encore Python 2 quelque part en production. Bon, bref, tant pis. C'est pas, on va pas s'embêter pour ça pendant 2 heures. Mais toujours est-il que cela veut dire que le projet NetBSD est capable de fournir pour les versions de Python qui sont compatibles ou qui sont entre guillemets supportés, on peut fournir un paquet en plusieurs versions. Et donc, bah, si par exemple, là honnêtement, je fais un PKG info, grep Python, j'ai de fait 3 versions de Python en parallèle, mais si je n'en voulais qu'une, si je voulais uniquement la 3.9 par exemple, je pourrais faire en sorte que tous les paquets basés sur Python dont j'ai besoin compilent en version 3.9. D'ailleurs, on aurait pu, par exemple, compiler fail to ban avec un autre Python que celui de par défaut. Voyons voir ça dans python.download. J'ai la liste avec de quoi scroller dans le petit truc avec toutes les releases 2.x. Non, parce que la view holder release. Ah d'accord, ici, ok. Ah oui, c'est effectivement super mal foutu. Ok. Hop. Allez, on va redescendre en 2019, parce que je crois que la dernière 2.7, elle doit dater de 2019. Hop. Effectivement, voilà, 2.7.17, c'est ça? 2.7.17. 2.7.18, il doit y avoir une 2.7.18 quelque part. Voilà, 2.7.18, le 20 avril 2020. Release note. On va rire. Ou pas. Hop. Non, ils affichent rien sur les release notes de la 2.7. Ok. C'est ça, effectivement. Bon. Toujours est-il que, bon, ça au moins, là, au moins il n'y en aura plus de nouvelles. Toujours est-il que ce que je me suis dit, c'est que tant qu'à faire pour Pelican, on allait essayer avec la dernière version de Python. En tout cas, la dernière version majeure, qui est donc la 3.11. Un truc que je me dis que qui serait intéressant aussi de voir, c'est quelle est la version actuellement par défaut. Si jamais je build un paquet, il y a une version par défaut de Python. Et cette version, pour aller le voir, hop, on est ici, ça c'est bon. Tiens, c'est bizarre, il m'a fait des... Ah, c'est parce que j'ai mon... Ouais, ça c'est le diff, c'est normal. Il y a peut-être quelqu'un qui a lancé des mises à jour il y a quelques instants avant. Il y a quelqu'un qui a lancé des mises à jour juste. On va aller dans. Euh...
Ouais, on est le 14. 18h11 plus 2h. Donc, on a un développeur qui a mis à jour un logiciel d'archivage. Et tout à l'heure, on a eu des mises à jour de PHP. 8.1 et 8.2. Ok, c'est cool. Je jette un œil des fois qu'il y a eu des mises à jour de... Moi, je peux chercher. Fail. Fail. Non. Non. Pas de mise à jour de fail to ban. L'autre développeur n'a toujours pas commité. Ok. Bien. Ce que je voulais aller voir, c'est aller dans... Non. Dans lang, Python. Et on a... Vous voyez, on a plusieurs répertoires. On a un Python tout court. On va aller dedans. Et on a normalement un piversion.mk. Et ce piversion.mk, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique notamment que, en fait, c'est un fichier qui est inclus dans les packages. Ça permet donc d'avoir plusieurs versions de Python possibles pour builder et d'autres choses. Et là, on peut voir qu'on a une variable qu'on peut modifier nous-mêmes dans le mk.conf. Et actuellement, la version par défaut, c'est la 3.10. Mais on peut faire 3.11, on peut faire encore 2.7 parce que 2.7 est encore donc dispo. Mais de vous à moi, ça commence à se bouger et ça commence à se dire, bon, on va peut-être finir par l'enlever, hein, 2.7. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Là, j'ai installé... PKG. Ah, punaise. Donc là, on l'a installé en binaire. On va générer un truc. Ok, donc j'ai un bin Pelican. Alors de fait, je peux pas installer plusieurs versions de Pelican en parallèle puisque j'ai un... J'ai un fichier, si je fais file. Voilà, j'ai un fichier vraiment... script Python. J'aurais pu, au packaging, quand j'ai créé le package, j'aurais pu dire... j'aurais pu faire un préfixe. Ça aurait été pi quelque chose tiret pelican. Je ne l'ai pas fait parce qu'habituellement, les gens qui vont installer Pelican s'attendent à avoir un binaire nommé Pelican et pas un binaire préfixé. Alors moi, dans mon repo perso, j'ai un petit make file. What? Pourquoi j'ai un cat bidon là? J'avais pas installé bat. Fichtre. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des années comme tout Debian qui permettent d'avoir des différents et un symlink commun? Sous NetBSD, enfin sous package source, je ne crois pas. Je ne pense pas. J'ai pas vu de générateur de... Généralement, on va essayer, quand c'est nécessaire, de mettre plutôt des préfixes. Enfin, quand c'est nécessaire d'avoir des préfixes, qu'on peut avoir des versions parallèles. Mais un symlink, j'ai pas l'impression que ce soit un truc apprécié par les gens. Donc si je fais un petit make clean, normalement je suis peinard. Ah oui, gmake plutôt. Est-ce que j'ai gmake? Oui, j'ai gmake. Puisque mon makefile utilise gnumake généralement, donc sous les systèmes BSD, il faut installer gmake. G pour gnu. Je vais quand même le... Hop. Et je voulais revoir ça. Oui, bah, j'ai un make help en fait. Gmake help.
Et donc, ce que je peux tenter de faire, c'est faire un gmake. On va dire HTML. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il me fait des choses? Il me balance des erreurs. C'est bon à savoir. Alors pourquoi est-ce qu'il me balance des erreurs? Parce que de mémoire, si je le tente sur mon Linux, on va aller hop ici sur mon Linux. GitHub HP blog clean make HTML. Non, il le génère. Il le génère, il n'y a pas de souci, on dirait. Il me fait un joli truc. Ah non, critical. Ah oui, UI, ok, UI compressor. Ok, soit. Ça, c'est un petit souci. Alors, attends, une blague, parce que je pensais m'en être débarrassé de ce truc-là. Already up to date. What? Décembre. Alors, je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai fait une boulette. Et la boulette, est-ce que par hasard... Alors, je vous explique. La boulette que je pense avoir fait, c'est que justement, il y a quelques temps, j'avais jeté un œil. Je me posais la question sur justement les systèmes de... comment dire, parce que là, l'erreur qu'on a vue qui concerne un outil qui s'appelle UI Compressor, en fait, c'est pour faire ce qu'on appelle de la minification. Donc, en fait, quand je génère mon, quand je génère les pages statiques de mon blog, je souhaite mettre des pages minifiées, du code CSS minifié, c'est-à-dire que il est, alors j'irai pas jusqu'à dire compressé, mais l'idée, c'est que bah, partout où il y a des espaces qui ne servent à rien, tout est retiré de façon à ce que bah, les pages, les CSS, les JavaScript, pour le peu qu'il y a, prennent le moins de place possible et donc soient plus rapides à télécharger. Les fichiers plus petits, forcément, bah, ça aide. De fait, mon blog est normalement plus rapide à être lu, tout simplement. En tout cas, je ne parle pas de la lecture de l'article, mais je parle de du téléchargement des fichiers, des pages web. Et donc, UI Compressor, c'est un outil qui aujourd'hui n'est plus développé et qui permet de faire, entre autres, qui permet de faire de la minification. Et j'avais remplacé l'outil par un autre il n'y a pas très longtemps. Et je pensais avoir commité et poussé ces modifications. Et visiblement, bah, si le truc me dit « Eh, au fait, je ne trouve pas UI Compressor », ça veut dire qu'il cherche UI Compressor et ça veut surtout dire que je ne suis pas à jour sur mon repo. Ok, alors sur la machine que j'ai là sous la main, le repo n'est pas à jour non plus, donc ça va être une autre machine sur laquelle j'ai fait ça. Alors je vais pas aller sortir les deux autres laptops sur lesquels je pense que j'ai fait ça, mais je pourrais toujours voir ça hors stream. Donc on va pas s'embêter la vie, on va juste modifier mon... c'est ça, trop de machines. On va pas s'embêter, si ça se trouve c'est lié à ça, ces histoires-là. Remarque, non, il dit cannot import name markup. Tiens, il me manque un outil Jinja? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier pelicanconf plugin et on va virer. Hop, on peut même pas s'embêter. On va virer UI compressor. Hop. Hop, et vieille publish camp. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Non, il n'y a rien. Dit le gars qui a actuellement 4-5 machines qui tournent chez lui en ce moment. Ah non, je vois le genre. Je vois le genre. Si je relance un make HTML, qu'est-ce que ça nous dit? Gmake. Hop. Tac. Non, j'ai toujours la même erreur. Par contre, si je vais juste pour le principe
Pelican conf ici, si je fais juste... si je fais ça et que je fais un make HTML. Ah, lui il génère. Salut Haribo! Serveur de fichiers, poste de travail, laptop pro de la old, laptop pro de la new. Alors attention, attention, la machine que tu appelles le ZB, je suis pas sûr que tout le monde comprenne et je suis pas sûr que expliquer ça. C'est un truc qu'on aurait juste entre nous deux, enfin c'est un peu private, je vais pas dire private joke, mais private quand même. Mais on va dire mini PC industriel si tu le veux bien, The. Ok, donc là, de ce côté-là, là ça fonctionne. Donc, eh ben, on va... voilà, d'où le pas plus que deux lettres. Pourquoi il se vautre comme ça? Bon, déjà, si je fais un Gmake clean, ça passe. Le CPU est quand même mieux que le Raspberry Pi que tu as à côté, qui fait pas tourner les films en 1080p. Ah, ouais, j'ai la même problématique. J'ai un Raspberry Pi 3 en guise de... de Media Center, et il aime pas le X265. Et le H265 non plus. Alors que pourtant, j'avais cru lire 2-3 trucs. Il y a des gens qui disaient qu'ils arrivaient à faire du X265 sur un Raspberry Pi, mais... en tout cas, sur un V3. Mais moi, en tout cas, ce que j'en remarque, c'est que c'est pas vraiment ouf. Je sais même pas si le Raspberry Pi 4 passe en X265. Peut-être pas en 1080p. Peut-être, effectivement. Peut-être. Alors... si je fais autre chose, alors je vais tenter un truc débile déjà. Je vais enlever Pelican. Pi311-Pelican. Non, hop, voilà. Et je vais essayer avec, avec la version. Avec la version en Python 3.10, des fois que. Non. Alors, il me peut pas importer le name markup de Jinja 2. On dirait qu'il manque une dépendance. On dirait qu'il manque une dépendance, mais... Sinon, pour info, est-ce que tu as vu mon issue IMR? Alors, absolument pas, The. C'est gentil que tu m'en causes. Je vais aller, je regarderai ça hors stream. Et je jetterai un œil si... alors, ça pourrait être une idée. Je suppose que... tiens, je vais regarder ça tout de suite, juste un instant. On va aller sur GitHub. Hop. Alors, je vais d'abord regarder un petit truc sur ManyNodes. Allons-y, ManyNodes. Hop. Simple fixe d'une erreur de copy-paste. Oh bah écoute, c'est pas grand chose alors. Hop, voyons voir ça. Si c'est franchement 2 secondes, je te le fais en direct. Nous avons donc une issue. Donc un bug. User data. Properly use password variable. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Plain text, passwd, c'est username. Ah oui, c'est ennuyeux ça. C'est ennuyeux, effectivement.
Password was set to username, not completely untested. Écoute, je vais merger ça tout de suite, mais je le testerai à un autre moment. Idéalement, il faudrait que je teste ça proprement. Donc je ferai un test digne de ce nom plus tard. Et je fermerai l'issue à ce moment-là. Hop, allez. Moi, je voulais voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé côté cleanup version dependency used. Ok. Il y a des gens qui ont touché à des choses, visiblement. C'est là que je suis sûr pour packet import PKG. Ok. Bump PKG revision for egg.mk users. Ça fait partie des choses que je veux vous parler d'ailleurs, des histoires de bump de PKG revision. En gros, l'idée c'est que si jamais on met à jour une bibliothèque par exemple dans package source, il est de bon ton d'incrémenter la révision de package des packages qui dépendent de cette bibliothèque pour forcer en fait. Ah, il y a un autoclose ? Bon, bah écoute, tant mieux. Je testerai ça quand même à un moment. Et en fait, l'idée c'est que quand on force en fait une nouvelle révision, bah, c'est quelque part une mise à jour du package. Donc on force une reconstruction. Si jamais par exemple on utilise principalement la version source, bah, ça veut dire que on va devoir recompiler les packages. Et si on utilise la version binaire, en supposant qu'il y ait des gens qui fournissent des versions binaires, bah comme la fondation NetBSD le fait pour package source en binaire pour NetBSD, et ben ça veut dire qu'on aura un paquet mis à jour qui viendra avec une dépendance qui est la bibliothèque en version à jour. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur ce sujet. Oui, effectivement, ça fait plus de deux ans que j'ai pas mis à jour Pelican. Parce qu'en gros, voilà, ce qui m'embête, c'est que s'il dit ça, c'est qu'il doit manquer une dépendance. Pour moi, c'est qu'il n'arrive pas à importer un truc en Python. Il lui manque un truc. Et je suis en train de me demander. Alors, il dirait qu'il n'arrive pas à importer le name markup de Jinja 2. Alors, Python 3.10, Jinja 2. Ok. Alors, Jinja 2. From Jinja 2 import markup. Alors je vois deux possibilités. Merci FunDev. Je vois deux possibilités. Enfin, deux possibilités. Je vois plusieurs possibilités. Je ne sais plus s'il y en a deux ou plus. Mais en gros, s'il fait un from Jinja 2 import markup, sachant que. Enfin, c'est soit il n'y a plus markup dans Jinja 2. Et si ça se trouve, c'est corrigé dans une version de Pelican. Soit il y a un Jinja 2-markup qu'il faut créer. Genre, il existe peut-être. Si je vais chercher, tiens. Python Jinja 2-markup.
Là bah tiens. Jinja 2 point markup. Ça a l'air d'exister. Effectivement un Jinja 2. Markup safe pour markup instead. Markup escape and in Jinja 2 point utils pour markup safe module. Ok. Donc je pense qu'en mettant en mettant tout ça à jour, on devrait ne plus avoir le problème. Juste histoire de comparer. .4.7.2 ici sous Fedora. Si je vais sur GitHub du projet Pelican, la dernière version, 4.8. Et je crois que j'étais en 4.5, hein, donc si ça se trouve, il y a eu de la mise à jour. Alors, requires. Alors déjà, salut Chavenet. J'ai oublié... Oh mince, j'avais oublié ton message. Désolé Chavenet, pardon. Pardon, pardon. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Jinja 2 supérieur ou égal à 2.7. Ouais, on va aller regarder les... Alors... Jinja 2, on est en 3.1.2. Donc il y a peut-être ça aussi. Bah oui, je suis concentré, enfin, et encore que, hein, je me déconcentre assez facilement, mais... Si je cherche Python Jinja 2, tiens, Python... Jinja 2... C'est quoi la dernière version actuellement? Sur PyPy, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas une version là-dessus? Si, 3.1.2. Donc en plus, voilà, on est sur un truc assez, assez récent. Donc si ça se trouve, ouais, c'est ça. Ça doit être, il faut que je mette à jour Pelican. Et que c'est en mettant à jour Pelican que ça passera mieux. Alors, et ben on va se lancer dedans. Hein, à un moment, faut y aller. Hein. Makefile, hein, on a dit 4.8. Hein. Et je suppose que, Chavenet, ce que tu as copié-collé, est-ce que ça viendrait pas genre du... est-ce que ça viendrait pas de requirements par hasard? Tu lis les sources. Eh ben oui, c'est ça. Faut lire les sources. Test, non. Style, non. Owner. Doc. Développeur. Ok. Ce serait peut-être dans le setup.cfg ou dans le setup. Non, dans le setup.py, je pense. Voilà, le requires. Effectivement, voilà, on le voit là. Ah, dans le pyproject.toml. Alors attends, moi j'étais dans le setup.py et dans le pyproject.toml il y est aussi. Classifier. Alors là il y a un requires avec le setup tools. Mais là au niveau du setup.py, on voit bien field generator supérieur ou égal à 1.9. Donc voilà, déjà on va pouvoir tout le point poetry point dépendance 6.
Ah bah oui. On les a là aussi, effectivement. Et on a Jinja 2 où il nous faut 3-1-2. Sauf qu'en fait, ben, on a une version de nous de Pélican qui est inférieure, qui s'attendait à une version de Jinja 2 inférieure, où les modifs en question n'étaient pas présentes par rapport aux histoires de markup. Donc en passant en version 4.8, ça devrait le faire. Donc Jinja 2, donc il va me falloir un 3.1.2. C'est ça, 3.1.2. Donc clé d'LGJ ici, 3.1.2. Beautiful Soup, est-ce que je l'ai mis dans les trucs? Non, je l'ai pas mis, tiens. Est-ce qu'il s'appellerait pas autrement? Alors, à moins que ce soit une dépendance. Alors, on va se le noter ici. Beautiful Soup. Tac. Qu'est-ce qu'il nous faut? Jinja 2, on l'a vu. LXML. Ah, c'est une dépendance dev. Ah oui, on va peut-être regarder plutôt dans ce cas-là le truc ici, non? Parce que j'ai bien feed generator. Il est là, toujours un 9. Donc le Jinja. Ah non, attends, pourquoi il met dans ce cas-là Jinja 2, 2-7? C'est quoi cette blague? D'un côté il me dit 2-7, de l'autre côté il dit 3-1-2. Poetry Dependencies. Ouais, non, il dit supérieur ou égal à 2-7. De 7, ok. Et moi, attends, j'avais mis quoi avant? J'avais mis 2-7 aussi. Ou alors, c'est pas moi qui avais mis 2-7. Et en dev, c'est supérieur. Bon, bah écoute, de toute façon, je pense que moi, je vais mettre 3-1-2 ici. Pour une raison très simple, c'est qu'on va le tester avec une 3-1-2. En fait. Blinker, est-ce que je l'ai, Blinker? Oui. Et Blinker, il faut au moins 1,4. Enfin, 1,4, pardon. Donc. Tiens, je vais même les réorganiser un peu parce que là on a quoi? Blinker, on va le mettre en haut. Hop. Ensuite, DocuTiles. DocuTiles, quelle version il réclame? 0.16. Je dis 0.16. Ensuite, feed generator. Donc feed generator, ça c'est un classique. Hop. Il vient là. Ensuite, Jinja 2. Ensuite, pigment. Et pigment, il faut 2.6. Voilà. Ensuite, Python date utile. Et il me faut quoi? 2.8. Après, il me faut pits supérieur ou égal à 2020.1. Ok, et a priori,
ces trois-là, j'en ai pas besoin? Ou ce sont des dépendances de... Si je reviens sur mon... Il manque Rich. Alors attends. Ah oui, parce que oui, j'ai pas tout regardé. Oui, parce que j'avais le nez dans le blame en fait. Donc il me faut Rich. Alors, on va voir s'il existe dans package source, ou est-ce que je vais devoir créer un nouveau package? 10.1. Ensuite, Unicode. Bah ça tombe. Non, c'est Unidécode. Hop, ça tombe bien, il est là. Paf. Et Unidécode, il me faut au moins la version 1.1. Allons-y. Ok. Et ensuite, Markdown. Ok. Et donc, Markdown. Hop. La version au moins 3.1. Ok, et a priori, PySix, on n'en a plus besoin. PySix, on n'en a plus besoin. Alors, la question que je me pose, c'est PySix, il servait à quoi déjà? Je me demande si c'était pas de la conversion Python 2, Python 3 ou un truc comme ça. Ou un truc de transition. Six is a Python 2 entry compatibility library. Bon bah voilà, c'est ça. Donc forcément, on n'en a plus besoin. Donc on va pouvoir dégager ça. Donc le truc est forcément incompatible avec les 2.7. Ok. Quelle version de P... Est-ce qu'il y a une version de... Oui. Au moins 3.7 inférieur à 4. Donc... pour avoir un code qui fait la même chose sur les deux. D'accord. Merci du détail, The. Merci de l'info. C'est bon à savoir. Ça me rassure de savoir que The est là quand je fais du Python. Je sais que si j'ai un souci, il est là. ou en tout cas que je fais un truc lié à Python. Alors globalement, la bonne nouvelle c'est que si il faut au moins Python 3.7 pour faire tourner Pélican, sachant que la version la plus ancienne en 3, remonte le code stop ici. Oula, Chavenet, je suis peut-être allé un peu trop vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 3.6. Supérieur ou égal à 3.7. Quoi, j'ai du Python 3.6 dans pas quelque chose? Non, non, 3.7. La plus vieille version, c'est du 3.7. Ah oui, je vais utiliser la release 4.8. Oui. Ah oui, je me mets à jour en dernière version, faut pas déconner. Quitte à mettre à jour. Quoi, y a un endroit quelque part qui dit Python 3.6? Bon. Depuis, le développeur a mis à jour le point tom. Ah, t'allais regarder les commits dans master, toi. 58 commits sur master depuis cette release. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, je suis peut-être allé un peu trop loin. C'était quand? C'était le 11 juillet 2022. Reviens à la page d'accueil.
La page d'accueil du projet. Ouais. Change master en tag. Et donc 4-8. Bump. Bot, oui, 4-8. Ah, je crois que en gros le liste le fichier Toml. Ah, on était encore en 3-6. Ok. D'accord. Alors, je vais regarder. Ah, en plus, je zoome même pas, donc vous voyez que dalle. Hop. Blinker, Docutil, Fit Generator, Jinja 2. Je vais peut-être en mettre 2-7. De toute façon, pigment, 2-8, 2-8, 10, 1-8. Et Markdown. Ok. Hop. Allez, dans le doute ici, on va mettre 2-7. Ok, on est bon. Voilà, exactement. Ensuite, bon, ça, à mon avis, ça va être des choses qu'on va remodifier après coup. Mais pour le moment, on est pas mal. Donc, on a dit qu'il y avait Py6 qui dégageait et on avait un le PyRich. Limite, tu lis mieux mon mec file sur ta télé que le code dans le terminal. Va falloir zoomer ton terminal, hein, va falloir augmenter la taille de la police. PKG info pipe grep 6 PKG in RM. On va enlever ça. De fait, il va me dégager Pélican. Voilà. Et de fait, il m'enlève le reste. Oh, et puis YOLO. Quand le dev aura une nouvelle release, il faudra se souvenir Python supérieur ou égal à 3.7. Je pense que ce sera pas un problème. Ce sera pas un problème chez Avnet parce que de toute façon, Python 3.7 n'est plus dans Package Source. Donc ce sera au moins Python 3.8. Et là, si je fais un make dist info... Ah oui, Ishwin parce que le logiciel est sous licence GNU AGPL. Donc il faut que je rajoute les licences acceptables. C'est-à-dire que je pensais avoir mis un skip license sur... Je pensais avoir mis un skip license. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ce skip license là dont il est en train de nous parler? Donc en gros... Pour ne pas se prendre la tête justement, donc déjà d'une, Package Source nous permet de faire gaffe aux licences des logiciels qu'on va installer. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la GNU AGPL V3 n'est pas dans les licences acceptables par défaut. Je ne sais plus pourquoi exactement. Tiens, on peut même faire un Make Show License. C'est cool. Voilà, il nous affiche la licence. Cool.
Mais en gros, moi généralement, enfin généralement, ce qui est dans Package Source, c'est open source. Il y a des fois des moyens pour générer des paquets sur des produits non libres, je pense à Java, au Java de Oracle. Mais de toute façon, ça veut dire qu'il faut fournir, il faut fournir de toute façon le truc de base pour fabriquer le paquet soi-même. Il faut le fournir parce que bah, il est pas dispo sur un dépôt directement en HTTP ou en FTP. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête. Je vais rajouter une petite option qui dit, il est où? Il est où mon truc? J'ai ma petite anti-sèche en fait. Hey, merci. Oh, merci Lemix pour le raid. Merci beaucoup. Allez, venez vous installer. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Lemix? Racontez-nous. Et donc, pendant ce temps, moi je rajoute mon petit truc qui dit skip license check. Comme ça, il m'embête pas. Check égale yes. Parce que globalement, le GPL, AGPL, c'est un truc live mix, comme chaque dimanche à 7h. Ok. Donc, visiblement, on a du monde qui aime la musique par ici. C'est très cool. Surtout qu'en plus, généralement, moi, le dimanche, derrière, en fin de stream, on va aller raider Adrien de Linux Tricks. Qui lui fait aussi du live mix. Quel genre de mix d'ailleurs? Quel genre de musique? Parce que ici là on fait pas en train de, on n'est pas en train de mixer, hein. Ça pianote dans un terminal, hein. La musique que vous entendez, c'est une playlist Spotify qui vient de chez Owned, qui est en royalty free. Et c'est du lofi. Ok. Oui, ici on mixe du source, comme dit Chavenay. Dance Hands Apart Style. Ok. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est du NetBSD. NeoFetch. Hop, NetBSD. Oh, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Faudra peut-être qu'un de ces quatre fasse Muse. J'avais bidouillé le script NeoFetch pour qu'il affiche autre chose que juste Intel 686 classe, là. Il y a moyen de récupérer le vrai nom du CPU. Je sais plus ce que j'avais fait de ma petite version avec la modif, mais ça pourrait être une idée pour un prochain stream que je fasse ça. Non, ça c'est pas un MOTD. Là, on est en train de faire d'aller tenter de mettre à jour un logiciel. On fait du packaging donc pour NetBSD et on veut faire une nouvelle version du package d'un logiciel qui s'appelle Pelican. Et Pelican, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de générer des pages HTML. En gros, c'est un générateur de blocs statiques. Tu connais peut-être un truc Hugo Jekyll ou... voilà, c'est un Jamstack. C'est un Jamstack. Merci, Chavenay. Si je fais un make distinfo, est-ce qu'il va aller me récupérer tout ça? Non, PKG fail. Ben, je t'avais pas dit que c'était bon? J'ai un skip license. Le skip license check ne marche plus? Ou je me suis. Je me suis trompé. Hop. Ici. Hop. Je ne sais pas écrire license en anglais. Voilà, mieux. Et ben en gros, Linux, ce qu'on appelle voilà, un Jamstack ou un générateur de sites statiques. Comment dire, c'est un logiciel. En fait, quand tu veux créer un blog, au lieu d'utiliser genre un WordPress, un Dotclear ou un Drupal, voilà, c'est ça. Alors, site ultra rapide et sans faille, bon, le principe, c'est surtout que tu vas créer tes posts de blog genre en Markdown et en fait, avec ces outils-là, tu vas générer ton blog. Tu vas générer en fait les pages HTML que tu pourras ensuite poser chez n'importe quel hébergeur. Ok, c'est cool. Tu connaissais pas. Ok, bah écoute, si jamais ça t'amuse,
Donc bah, les outils les plus populaires sont généralement Hugo, Jekyll, donc Pélican, et il y a aussi récemment Zola. En gros, ça dépend on va dire des langages de programmation de prédilection des gens, puisque donc Pélican est en Python, Hugo est en Go, Jekyll est en Ruby, Zola est en Rust. Je sais pas en quoi est fait Astro, mais voilà, c'est chacun selon son langage de prédilection. Donc j'ai mon distinfo qui est bon, donc comme ça, ça on est en. Pourquoi 4.5? J'ai pas modifié la version? J'avais pas modifié la version. Oh là là. Hop, 8, et on vire le PKG révision. Dist info. Voilà, mieux. C'est mal, chacun son truc, hein. Donc une fois que ça c'est fait, si je tente juste un make, est-ce qu'il va nous manquer des trucs? Alors déjà, il avait l'air de vouloir nous recompiler Python. Ah bah non, finalement il ne recompile pas Python. J'avais cru. J'ai cru voir des warnings. Build, c'est quoi ce truc? Ouais, tiens, pendant ce temps-là, jetons un œil. Hop. Ah bah oui, comparatif de tous les trucs. Et B. Il y en a combien? Non, parce que là, franchement, ça devient. Log for brains. Bah, c'est surtout que, ouais, c'est un peu. Genre, chacun fait son sien dans son coin parce que il a pas. Il lui manque une feature et que. Ou c'est pas. Non, sérieux? Il y a des gens qui ont fait ça en PHP. Importers for WordPress, Jekyll and Ghost. Il y a bien hide dans. Il y a un hide, sérieux? Ok. Jekyll's Evil Python Powered Twin. Mais pourquoi faire un truc en Python alors qu'il y a Pélican? Il y a des jeunes qui débutent et qui me demandent souvent pourquoi il y a autant d'outils s'ils font la même chose. Pour certains, c'est compliqué à comprendre. Des fois, c'est malheureusement des histoires d'ego, hein, d'ego de développeur. Hein. Franchement, ou alors il y a des gens qui se fâchent. Et de fait, des fois, ça fait des forks. Hein. Alors, failed. Différentes versions de Pi 310 de Qt. C'est pas grave ça. Sudo pkgin rm. Hop. On va peut-être éviter ça. Hop. Tac. Allez. C'est comme les plus de 500 langages de programmation existants et je parle même pas de framework. C'est comme NetBSD, OpenBSD et FreeBSD. Oui, tout à fait, Chavenay.
Alors pour celles et ceux qui découvrent et qui savent pas, figurez-vous que OpenBSD est né d'une, on va dire d'une, comment pourrait-on dire ça sans troll, de façon politiquement correcte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça, une divergence de point de vue, tout à fait, Haribo. Effectivement, c'est ça. C'est qu'en gros, le fondateur d'OpenBSD était donc parmi les développeurs NetBSD d'origine, et il n'était pas d'accord avec certaines manières dont les choses étaient faites, en particulier d'un point de vue sécurité. Le fondateur d'OpenBSD, on lui a dit, écoute, tu commences à bien faire, si t'es pas content, va voir ailleurs. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, c'est est-ce qu'il s'est fait sortir du projet, ou est-ce qu'il a décidé de le quitter de son plein gré, je me rappelle plus exactement là, de tête. Mais il s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire mon truc dans mon coin. Et c'est marrant, mais des fois des histoires d'ego juste de disputes ou de divergences de point de vue, on n'en trouve pas que dans l'informatique. J'ai deux exemples marrants, c'est que vous savez quel est le lien entre guillemets entre les marques de chaussures Adidas et Puma ? Bah, figurez-vous que les fondateurs de Adidas et Puma étaient frères. Je laisse imaginer les repas de famille. Hein. Et vous savez comment a été créée la marque de voiture Lamborghini ? Bah, c'est parce que en fait, Lamborghini, avant d'être une marque de voiture de sport, c'était une marque de tracteur. Et donc, Monsieur Lamborghini, comme il avait gagné beaucoup d'argent avec ses tracteurs et qu'il aimait les voitures, il a décidé de s'acheter une Ferrari. Parce que le mec était italien, une voiture de bonne qualité en Italie, une voiture haut de gamme, faite par des gens qui aiment l'automobile, il est allé voir les frères Ferrari. Et puis donc il a acheté une de leurs automobiles, et en fait il n'en était pas si content que ça. Et quand il est allé voir, le Enzo, Monsieur Lamborghini sait faire se voir. Hein. Alors, lequel a commencé à parler plus haut que l'autre, je ne sais pas. Je n'étais pas là à cette époque. Mais toujours est-il que Ferruccio Lamborghini, il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais me lancer dans les voitures de sport. Voilà. Et si je continue du côté des logiciels, après, il y a pas mal d'histoires diverses et variées. Notamment, pourquoi est-ce qu'on a d'un côté LibreOffice et de l'autre côté OpenOffice. Comment on se retrouve avec MySQL et MariaDB. Merci Oracle, hein, dans les deux cas de figure, que ce soit pour LibreOffice et MariaDB. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme blague, hein, comme ça. Sinon dans les divergences techniques, Dragonfly BSD, je crois, c'était un désaccord sur la manière de gérer le multiprocesseur. Je crois qu'il y avait une question de lock ou un truc comme ça. Et ça a permis d'ailleurs aux développeurs de Dragonfly de pouvoir développer aussi de façon tranquille le système de fichiers HammerFS. Alors, pour le coup, à Haribo, Debian, Devoine... J'aurais même tendance à te dire pourquoi pas même Debian et Ubuntu.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, des désaccords, techniques ou parfois même des disputes entre personnes, ça peut vite dégénérer. Ou alors des fois, je continue un peu le sujet, hein, puisque de toute façon c'est en train de builder. Des fois, on peut aussi vouloir faire des trucs en mode, comment dire, pour éviter de passer sur le hardness BSD. Ça me dit rien du tout. Hardness BSD, ce serait pas plutôt hardened BSD ou un truc comme ça? Plutôt ça. Alors, j'ai un B de trop là-dessus. Ouais, mais c'est pas grave. Si, c'est ça, Hardened BSD. C'est un fork d'OpenSense qui est basé sur... Ah non, attends. Hardened BSD Installer. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, Hardened BSD Firewall. Ok. Bifurcation de FreeBSD destinée à accentuer la sécurité. Le projet a commencé par la mise en œuvre de la SLR en 2015. Ah! Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que... Tiens, je vais vous poster le truc. Bon, en supposant que ce qui est dans Wikipédia est factuellement correct. Mais en gros... en fait, le projet n'avait pas pour but d'être un fork, permanent, en gros. C'est-à-dire qu'il voulait, voilà, une zone d'étape. Donc en gros, c'est qu'il voulait, un truc qui était le patch ASLR, et ils se sont dit, on essaye dans un truc qu'on appelle Hardened BSD, et une fois que le boulot est fini, bah, on reverse dans FreeBSD. Sauf qu'en fait, bah, c'est devenu tellement compliqué qu'ils ont préféré forker, quoi. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ah, et OpenSense utilise Hardened BSD. Ok. Et ils suivent de très près le... Donc ça, c'est cool. Ça c'est cool, ça veut dire qu'en gros ils sont pas là en mode. Ils sont pas là en mode. On s'est fâché avec le projet quoi. Et côté service, on a un Freenode et Liberachat. Ah ouais, mais alors là, Freenode, l'histoire de Freenode c'était. Ah oui, c'était Dallas, complètement. Je suis assez d'accord. Sais pas comment on peut remplacer ça. Parce que oui, effectivement, c'est... Si les gens n'ont pas connu, n'ont pas entendu parler de cette série télé qui était Dallas, comment est-ce qu'on pourrait changer ça? PFSense et OpenSense, oui aussi. Ouais, c'était Game of Thrones. Oui! Bien vu à Haribo! C'était Game of Thrones. J'aime bien la ref. J'aime bien la ref. Le truc qui build là, il utilise au moins un peu du CPU ou... Load average 475. Ouais, donc ça va, il bosse. Il bosse. Alors Xavier G, oui, sur le labase code. Ah non, sur le labase code, on n'en était pas rendu à utiliser OpenSense. Mais sur l'itération... D'avant du labo, du home lab virtuel, oui, j'avais mis OpenSense. Tout à fait.
Et globalement, ça fonctionnait plutôt pas mal, hein. Je crois que la raison pour laquelle j'avais pas encore essayé de mettre OpenSense sur le lab as code, c'est que je voyais pas trop comment automatiser le truc. Surtout avec de l'Ansible ou du Cloud Init, et ça, j'ai l'impression que ça avait pas l'air très possible. Dallas, nombre d'épisodes. Nombre 14 saisons. 357 épisodes. Eh bah punaise. Et si vous savez pas quoi commencer à regarder ce soir et que vous avez peur d'une série qui va durer qu'une saison, bon bah voilà, hein, Dallas. Je sais pas si ça a bien vieilli par contre. Je suspecte que ce soit quelque chose à regarder en se disant c'était l'époque. Il a eu le temps d'y avoir quelques rebondissements. J'imagine. J'imagine. Il n'y a pas d'autres séries comme ça qui ont duré des années. Genre c'est les Simpsons où ils en sont à plus de 30 saisons, non? 4 tiers qualité VHS pour commencer. Et je suis pas sûr qu'il y ait eu une transition 4 tiers vers 16-9 en plus, hein. Dinfi Firewall. Le nom me dit un truc. Ce serait pas justement un autre fork de PFSense ou d'OpenSense, non? Mais pour le coup, je n'ai pas essayé. Dinfi Firewall. Oh, c'est écrit en français. Mais c'est pas justement une boîte française, c'est français. 34 saisons des Simpsons. Oh là là. Oh là là. Gestionnaire centralisé, auto-provisioning. Ah. Auto-connecter vos équipements au Dynfi Manager de façon immédiate et sécurisée dans tous les contextes réseau sans jamais perdre les contrôles des firewalls distants. Eh ben. C'est chouette ça. Dynfi Firewall est dérivé d'OpenSense et de PFSense, le premier firewall open source français. C'est cool, hein? C'est cool ça. Oh le. Faudra tester à l'occasion. Faudra tester. Je suis toujours en train de me demander d'ailleurs ce que je vais faire jeudi soir comme stream. On pourrait peut-être faire mumuse avec les trois firewalls et jouer au jeu des 7 erreurs, hein. J'installe, je sais pas moi, un PFSense, un OpenSense et un DINFI, et puis on regarde. Alors je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait comparer exactement, mais ça peut être une idée pour jeudi soir, hein. Ah, Chavenay, il a sorti le truc ultime. 50 saisons pour les feux de l'amour. Ah, et les mix, tu as testé. Alors, bah, raconte-nous. A priori, si tu préfères OpenSense, il y a peut-être une raison. Law and Order, 22 saisons dont un spin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui partait? Premier ISO buggé. Ah. T'as remonté l'info dev. Et qu'est-ce qui s'est passé? Impossible à installer. Oui, bah oui, ça c'est. C'est sûr que si l'image ISO est. Ils m'ont fourni une nouvelle ISO. Ok. Bon, bah écoute, déjà, s'ils ont résolu le problème. C'est déjà un bon point, c'est qu'il y a une certaine réactivité. ISO version 3, elle est foirée. Non.
Téléchargement Firewall. ISO VGA Serial, ok. Documentation, voir les fonctionnalités personnelles screencast. Demander un accès à démo, nos appliances. Tiens, je suis curieux. Alors, je suis curieux de regarder le tarif des appliances parce que, pour l'anecdote, il se trouve que j'ai un ami, j'en ai plusieurs des amis, mais en particulier un qui récemment s'est procuré un mini PC entre guillemets de type industriel pour se monter un firewall, justement avec un truc de type OpenSense. Et en fait, j'avais jeté un œil sur les sites de PFSense, d'OpenSense, pour voir ce qu'ils proposent, parce que justement, ces projets-là sont, de la même manière que DINFI, ces projets-là sont backés par une entreprise. Et bien entendu, l'entreprise, pour se faire un peu d'argent, en plus de proposer un support payant de leur distribution, de leur logiciel, ils proposent aussi ce qu'on appelle des appliances, donc des machines préinstallées, prêtes à l'emploi. Et on est quand même déjà en tarif de base avec un APU, on est à 408 € TTC. Alors sachant que, pour l'anecdote, si, à mon avis, l'APU qui propose, ça doit être ceux de PC Engine. Et pour information, sachez que PC Engine s'arrête. Alors, ISO version 3, donc elle est foirée. J'ai pas vu de plus-value par rapport à OpenSense et PFSense. Et perso, c'est l'IHM de OpenSense que je trouve la plus agréable. Le principal avantage est a priori le management centralisé ou de masse. C'est pas mal du tout, côté tarif, tu trouves. Disons que c'est un tarif qui est, ouais, je pense, acceptable pour une entreprise, pour une petite entreprise. Là, l'ami en question étant un particulier et voulait un truc plus pour démarrer le... Honnêtement, je me serais mal vu lui dire « Tiens, va payer plus de 400 € un firewall pour juste faire mumuse, quand il peut acheter une machine d'occasion pour un tiers du prix et installer, entre guillemets, ce qu'il veut dessus. Que ce soit un Linux ou un BSD, on va dire, sans particularité. » Jusqu'à des trucs comme effectivement PFSense, OpenSense ou DINFI. Après, pour l'information sur le lab Ascode que j'aimerais bien reprendre bientôt, moi ce que j'ai installé c'est VIOS. Alors qui donc n'est pas sur du BSD par contre, mais qui est basé sur du Linux. Et qui en fait, c'est pas que pour du firewall, c'est fait pour du routage à la base. Et ça a une syntaxe, donc ça n'a pas d'interface web, et ça a une syntaxe qui est basée sur Juniper. Et donc l'avantage, c'est que on arrive à manager ça à grands coups de Cloud Init ou de Ansible par exemple. Alors oui, il y a une raison les mix. Hein. La raison, elle est vite vue. Hein. C'est que en fait, c'est plus facile de trouver des développeurs qui savent travailler sur du Linux que sur du BSD. Aujourd'hui, tous les fournisseurs d'appliances, les appliances sont basées sur du Linux. Hein. Même si certains ont démarré des fois avec du BSD, beaucoup passent ensuite sur du Linux.
Typiquement F5, les appliances de load balancing et autres, parce qu'ils se sont mis à se diversifier un peu. F5, c'est du Linux, hein. Je dirais même c'est du basé RPM. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi comme ça? Checkpoint. Checkpoint, c'est du Linux, hein. Enfin, en fait, à une époque, admin Linux plus simple à trouver que pour BSD. Bah après, dans le cas d'un... Aujourd'hui, le truc, c'est que les, on va dire les appliances de firewalling, que ce soit un Linux ou un BSD en dessous, pour l'admin, en fait, on s'en tamponne. Je dirais même, on s'en moque éperdument. L'idée c'est d'avoir une interface qui te fait oublier que dessous c'est un Linux ou un BSD. Bon, ça prend son temps à compiler là tout ça. Je me suis encore lancé dans un truc sympa. Déjà pour savoir ce que ton appliance devrait faire. Chez eux, chez qui? Dans les entreprises clientes des appliances? Pourquoi c'est aussi long? C'est une excellente question. Voyons voir ça. Ah, chez ceux qui font des appliances. il est en train de compiler quoi? LLVM? What? Non, attends, oh. On s'arrête là. Allez. Ouais, on s'en fout que ça tourne sous Linux ou sous BSD. Par contre, s'il faut choisir entre le faire tourner sur ST ou sur Amiga, c'est pas pareil. Salut Tréguy. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Tu as demandé de reconstruire tout paquet de source. J'ose espérer que non. Alors, non, 310-Sphinx. Ah mais attends, mais c'est que je me suis trompé en plus. Je me suis trompé, il faut que j'aille chercher ici, là. Oh là, la petite erreur. Tiens, je vais le chercher, tiens. Rich, est-ce que... On va dire pi 310-rich. Hop. Merci beaucoup pour le follow, Kirito. Merci à toi. point slash pkg lock i on a dit pi rich. Rich et c'est pas time de fait. Tu as passé ton week-end à essayer de comprendre quelque chose au préfetching d'instruction et l'arbitrage des bus sur les STM. Oh là, non seulement t'as rien compris mais en plus t'arrives même plus à utiliser GDB. Tu vas avoir la semaine pour te reposer, Tréguy. Comms, ok. Allez. Non mais c'est vrai que ça va faire bizarre. Demain c'est lundi et c'est pas une et c'est pas un jour férié. Et le live de Imi il a été chaud. J'ai pas pu y être au live d'Imi. J'étais on va dire en
en événement familial. Heureux, je vous rassure. Hop là. Ce sphinx. C'est, il continue ses live go le samedi, non? On va dire 310-sphinx. Allez, tu m'installes ça. Ah bah, de toute façon, Sphinx, Pi6, Python 6, enfin, Pi6, Pi6 arrive en dépendance de Sphinx. Blinker. Blinker. Hop. Donc lui, il est installé, ok. DocUtils. Ok. Ah ouais, mais attends, celui-là. C'est pas à cause de ça. Ah mais d'accord, mais de fait, il me... Pourquoi il m'a enlevé Python Sphinx ? Alors, oui, mais là, il commence à enfoncer sur la réalité de ce langage. Je sais pas trop si à cause de ça, mais RMP étoile, c'est souvent un bon coup. Oh là non, je vais pas prendre le risque. Ok, donc maintenant, j'ai... DocUtils... C'est bon. Mais de fait, si je fais un sudo pkg in pi310-sphinx. Hop, voilà. Reviens, Sphinx. Voilà. On avait quoi? Feed generator. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Jinja 2. Donc ça, on est bon. Pigment. On a dit, il existe. Oui, il existe et il est installé. Ok. Date utile. Ça, c'est bon. Rich, normalement, on l'a. Maintenant, on l'a. Uni décode et markdown. Normalement, on est bon. Bon, là on nettoie, mais ouais, il est en train de me chercher des trucs de base. Là, LLVM, je vois pas pourquoi.
Parce que là, si je fais un make package, est-ce qu'il va pas essayer de m'installer des trucs plus récents en fait? Non, non, c'est bon. Ah, ben voilà. Maintenant, on parle. Donc, erreur. Ça sent... C'est pas une histoire de playlist. Si je fais juste un make, il a l'air content. Donc, si ça se trouve, c'est le playlist, je pense, qui doit pas être content. Ok. Donc là, il m'aurait fait une erreur. Si je fais un make print-plist. Ok, ça c'est cool. Et on va lancer ça dans... dans le fichier plist. Et si je refais un make package... là, on est bon. Ah, juste par curiosité, tiens. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent? Donc, forcément, forcément, il y a ça. Ah, il y a des trucs en plus, hein. Il y a des trucs en plus. Ok, c'est logique. Ok, allez. Par contre... ouais, bon, c'est pas grave. Allez. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bon. Ceci étant, j'ai viré le... ok. Et bon, on va peut-être essayer notre truc là maintenant. On a a priori un pélican fonctionnel, enfin un pélican qui a buildé. Mais pélican n'est pas installé parce que je ne l'ai pas installé. Allez, mec, installe. Ok, il est installé. Ah, c'est... ah oui, bah faut que je refasse le... je sais plus si j'ai un mec réinstall. Je vais voir. Donc là, on est bon. Non, toujours rien.
Ah oui, c'est déinstall, pardon. Ah, voilà, maintenant j'ai des fichiers. Voilà, là j'ai un pélican. Donc, dans mon Makefile de mon projet, normalement, voilà, j'ai le truc pélican. Et on avait bien enlevé... ah non, c'était dans la conf pélican qu'on avait enlevé le UI compressor. Et là, on a... Donc, je dois pouvoir faire... Je dois pouvoir faire un make clean, gmake clean même. Et si je fais un gmake HTML, on devrait avoir un truc. Alors j'ai pas la jolie. J'ai pas la jolie animation comme sous Linux. Mais bon, après si c'est que ça. Ok, donc là j'ai un truc. J'ai un output et j'ai des trucs dedans. Alors ce que je peux même pousser le bouchon à faire maintenant, je vais refaire un make clean. Gmake clean, pardon. Voilà. Et si je fais juste gmake, normalement, voilà, j'ai un make serve, j'ai un make dev server. Donc ce que je peux faire, c'est que je fais un gmake dev server. Et donc il me sert 127. 127.0.0.1, vraiment? Non, non, a priori, j'écoute sur... À moins que le... On a dit 8000. Ouais, non, il écoute que sur 127.0.0.1. Ah, dommage. Bon, on va le faire autrement. On va faire make HTML. Ah oui, toujours gmake. Voilà, donc il régénère. Ensuite, je vais faire un make serve à la main. On va voir s'il écoute toujours sur 127.0.0.1. Parce que j'ai, en fait, c'est surtout pour pouvoir ensuite afficher dans un navigateur qui n'est pas sur la même machine. Make gmake serve. Ah non, il est toujours sur 127.0.0.1. Bah alors. J'avais pas un truc global. Si j'avais un mec surf-global. Voilà. Donc là, normalement, si je vais ici, que je fais un petit ifconfig. Ah, c'est pas celle-ci. C'est VIOF0. Ok. Et je suis en. Donc sur le port 8000. Donc si je vais ici et que je fais ça. 2.8.1.2.3. Voilà. J'ai le truc qui s'affiche. Donc ça, c'est cool. C'est très cool. Et en plus, j'ai droit au code de retour HTTP. J'ai les logs en direct. Donc, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à avoir un pélican fonctionnel avec une génération de pages qui passe. Et on arrive même à avoir un serveur web de développement. Enfin, de développement, façon de parler. Git CVS plutôt. Je sais plus si CVS statut ça passe. Ce que je suis en train de me dire, c'est que là, globalement,
Pour l'instant, on a juste mis à jour on a juste mis à jour Pélican. Et ça a l'air de passer. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est bah, le comité, en fait. Est-ce que j'ai des trucs à rajouter ou pas? Non, globalement, on est bon. Priori, j'ai pas eu à toucher d'autres trucs ici, tout va bien. Tout va bien. Donc, allons-y. C'est parti. Ah, on n'a même pas eu de patch d'ailleurs. Les patchs sont déjà. Il n'y a pas eu une modification des. Ah, il a été clos, tiens. Bon, on pourra toujours voir ça plus tard. Mais si le patch a été appliqué. Bon. Alors. Allons-y. On va refaire un petit CV status pipeless. On a quoi comme fichier modifié? On doit avoir le makefile, le distinfo et le plist. Makefile, le plist et le distinfo. Voilà. Ok. Donc, ah zut, j'ai même pas regardé les abort. J'avais fait comment? Updated, upstream changes et package source. Ok. Bien entendu. Et ensuite, on l'a mis à jour en 4.8. Et là, il va falloir aller. On va retourner voir. Donc, on était en 4-5. Je sais plus si on avait fait un truc pour les pour se pas se casser la tête sur les étoiles. Alors on a toi 4-5-1.
2, 3, 4. Ensuite, on a la 4-6, la 4-7, bon ça va. Là c'est une 4-6-0. Et ensuite, il y a une 4-7-1-2 et une 4-8. Ah oui, c'était ça. Hop, avec le point. Très bien. J'ai peut-être pas besoin de rajouter les numéros de... Ok, allez, on descend. 4, 4, 5, 1, allez, 4, 5, 2. On va quand même indiquer le... Hop. Ah zut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Hop. On va mettre ça. Et en dessous, ce qu'on va faire. Hop. Et je vais mettre l'URL en fait. Hop. Ensuite, 4, 5, 4. Parce qu'il y a un petit peu plus de nouveautés. Voilà. Et finalement, finalement, on s'en sort pas trop mal. Allez, je terminerai par la mise en forme, je pense. Faire ça au lieu de passer de, hop. Ok, ensuite 4 7 il nous fait quoi? Oh, ok, ensuite 4 7 1 qu'est-ce qu'on a eu? Ah, il y a eu du boulot sur la 4-7-1 quand même. Ok, allons-y.
crois que j'ai oublié la, les... Je crois qu'il y a moyen en plus avec Vim d'aller plus vite sur les retraites comme ça en plus. Vous m'imaginez pas. D'un côté, je trouve ça chouette qu'il y ait ultra plein de possibilités pour aller plus vite sur ce genre de choses avec Vim. Mais je suis ultra énervé de jamais réussir à m'en rappeler. J'aurais fait un 2 points pour son S avec une regex. J'avoue, c'est tentant. Ok. Enfin un truc, tiens, allez, 2 points pour 100. Non. Alors déjà, celui-ci, vu que j'ai déjà fait. Tac. Non. Ah zut. Hop, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici à ce niveau-là, on fait 2 points pour son S, on va pas s'embêter effectivement. Bon, il y a celui de la ligne 12 là, mais je le modifierai à nouveau. Voilà. Tac. Et ensuite. On va pouvoir aller lui dire ici. Ah tiens, ah oui, il m'a manqué cela, forcément. Ah, ça passe pas, ok. Et il nous manque un... Hop. Voilà, là globalement, j'ai normalement mes messages qui sont corrects. Allez. Donc là, j'ai commité ça. Ensuite. Donc on avait dit que c'était 3W. Non, 3W. Et là c'est pi-pélican. J'ai dit 0. Si je me rappelle bien, moi c'est à chaque fois... C'était il y a 15 jours, non? Ouais, c'est ça. Non, hop, tu reviens. C'était ça.
Ok. Et on est bien le toujours le dimanche 14. Ok. Tac. Remarque, si je fais un CSLog 1, 2, 3. Normalement, les messages de commit. J'ai mis quoi? Updated. Nanana, ok. Donc. Tac. On va faire moins M directement. Je crois qu'on peut le faire, hein. Ouais, on peut le faire. Hop. Et on lui dit. Hop. No such directory. Ouais. Pourquoi il me... CVSCI-M... Ah oui, c'est parce qu'en fait... Hop, je me suis... Hop. Hop, et là, il faut lui dire... Changes 2023. Hop. Et voilà. Bon, là, le CVS update, c'est vraiment au cas où il y a eu d'autres modifs entre-temps. Bon, finalement, pas de problème de dépendance à mettre à jour. C'est plutôt bon signe. Je craignais que ça se termine dans un épisode 2, entre guillemets, enfin épisode 2. On est plus loin que l'épisode 2, vu que c'est globalement de la mise à jour de paquet source. Mais je pensais que je passerais un deuxième épisode sur Pelican. L'espace de quelques minutes. Bon, et ben ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. Faudra que je vois pour la semaine prochaine qu'est-ce qui me reste dans les mises à jour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment Fail to Ban que j'aimerais pousser aussi. Je pense que je vais faire des relances du développeur. Je vais aller l'attraper par le col sur IRC, je pense. Gentiment, bien entendu. Voili, voilou. Hop. Eh ben, encore un stream, ma foi, qui se déroule plutôt bien. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi. Salut à toi, Parazos. Bah, tu arrives sur la fin. Fail to ban. Bah oui, parce qu'en fait, fail to ban... J'ai pas committé la mise à jour, vu que c'est un autre développeur qui m'avait envoyé un diff et qui m'a dit au fait j'ai fait ça, est-ce que ça te va? Donc moi déjà de base je lui avais répondu que ça m'allait juste à la lecture du patch, mais il ne l'a toujours pas committé. Et si c'est lui qui a fait le patch, il vaut mieux que ce soit lui qui commit. Enfin après tout c'est lui qui a fait tout le boulot, je vais pas aller inscrire mon nom à sa place. Enfin c'est comme si je demandais à quelqu'un de faire mes devoirs et que j'écrivais mon nom à la place, quoi. C'est pas très cool. Alors après, je pourrais dire, patch, tout le boulot a été fait par machin, mais en attendant, sur le nom du commit, il y aura le mien, donc c'est un peu dommage. Bien. Ben, ce stream touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous et j'en suis très content. Je vous propose, comme d'habitude, avant de se quitter, on ira faire un raid, on ira voir Adrien de Linux Tricks. Comme d'habitude, si jamais vous voulez revoir les streams, si vous voulez voir la suite, de voir ce qu'on va faire d'autre, comme PackNetBSD, bah, rendez-vous dimanche prochain à 18h. Sinon, rendez-vous jeudi à 20h pour sans doute... J'aimerais bien avoir un one-shot en termes de stream avant de repartir sur un projet de plusieurs semaines. Donc on verra ce que ça donne jeudi. Si jamais vous voulez proposer des choses sur ce qu'on pourrait faire jeudi sans forcément de...
de garantie. N'hésitez pas à aller rejoindre le Discord, donc vous avez l'adresse ci-dessous. On peut même se faire un petit hop, point d'exclamation socials. Donc vous allez retrouver la liste de tous les réseaux sociaux sur anotherhomepage.org, avec notamment bah, justement le Discord qu'on voit ici et les autres réseaux sociaux. On en voit hop, on en voit là, non, hop, là, voilà, ici. Donc notamment bah, Mastodon, Twitter, Instagram, ce genre de choses, enfin surtout Mastodon ou Twitter et Discord en fait. Vous allez retrouver aussi d'autres choses, mais comme ça, ça permet de discuter entre deux lives, notamment sur, sur des choses qu'on a pu voir. J'essaye aussi de poster de temps en temps quelques liens, de reposter soit des liens qu'on a eu dans le chat, notamment jeudi dernier, on avait vu pas mal de choses à propos de Git, encore merci eux. Donc la conversation a pu continuer là-bas, et de temps en temps, bah, je poste d'autres liens sur ce qui m'amuse. Voili, voilou, je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain, et d'ici là, amusez-vous bien, ciao, ciao, et restez pour le raid.